Tu as vu ça, frère? Tu as vu le ciel? Le ciel, c'est l'espoir. Il faut tout le temps regarder en haut, frère. Chaque matin, quand je te lève, tu regardes le ciel. Oui, tu te dis, c'est l'espoir. Car le ciel, c'est l'espoir. Malgré toutes les difficultés, malgré la pluie, la neige, le vent, tout, le ciel est toujours là. Il ne bouge pas. Dis-toi que peu importe la situation, je suis comme le ciel, je suis là. J'apprends tous les jours et j'avance. Oui, car ce n'est pas facile. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un piège, tu vois. Et la vie, il faut tout le temps être là pour affronter les difficultés. Et jamais baisser les bras. Tu sais, si tu ne traverses pas des moments difficiles, tu ne peux pas apprendre. Et si tu ne traverses pas des moments difficiles, tu ne peux pas savoir le vrai sens de la vie. C'est en traversant les moments difficiles que tu te développes, que tu évolues. Il n'y a pas d'évolution sans difficulté. Il n'y a pas d'avenir meilleur sans travailleur, sans batailleur. Exemple pour laquelle tu dois te battre. La vie d'un homme n'est jamais facile. Lorsque tu nais et que tu nais homme, tu te dois d'accomplir des choses, tu te dois d'avancer, peu importe les intempéries. Tu dois évoluer parce que demain, il y a une famille que tu vas gérer et la famille doit compter sur toi. Ta femme, tes enfants, tes frères, tous, peu importe, tu dois rester stoïque. Moi, je parle pour des gens qui traversent des moments un peu difficiles et c'est pas facile. Parfois, il n'y a personne pour te remonter le moral. Et voilà, moi, je me permets de parler pour remonter le moral de mes frères car je sais que lorsque tu es homme, tu traverse des moments difficiles. Si tu n'es homme et que tu veux vraiment évoluer, tu veux vraiment avancer, il doit toujours avoir des obstacles. Il doit avoir des ennemis, même des amis peuvent te bloquer là. Mais donc, là, tu dois apprendre à sélectionner tes amis. Donc, mon souhait, c'est que toute ma communauté, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent, de rester concentrés, les gars. Les périodes difficiles, et c'est vraiment indispensable. Ce n'est pas manqué dans la vie d'un homme qui veut évoluer, qui veut devenir quelqu'un de meilleur, ce n'est pas manqué. Il y en aura toujours. Et j'appelle mes frères à rester soudés, à garder la tête haute, à ne pas baisser les bras, à toujours penser à demain. Lorsque tu as mal, ferme les yeux et dis-toi que je me vois dans telle place, dans tel nombre d'années. Pense à la vie meilleure que tu dois avoir dans quelques années et ça doit te motiver. Moi, je le fais tout le temps et ça marche. J'espère que ça marchera pour toi, frérot. Peace, frère Nassim.